Prenez un moment pour vous déstresser, pour décompresser, pour vous détendre sur LVDL. Christophe Selma, bonjour. Bonjour Dani, bonjour aussi à vous tous. La parabole des noces nous apporte une leçon. LVDL. Je me suis éloigné, je suis revenu et il y a eu la... Potato et far omene et te nemhana tatato. Toujours sur LVDL. LVDL, votre partenaire apaisant au quotidien. Étude quotidienne des Écritures au travers de l'école du sabbat. Toi ta papa a pipiria, et mon mana toi, Naruto, et api a tapati. Eh bien, chers amis, auditeurs, auditrices de la Voix de l'Espérance, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue. Sur les ondes, nous avons quelques difficultés par rapport à Facebook et YouTube, mais nous ne vous oublions pas. Nous allons remettre ça, cette vidéo donc, sur Facebook et sur YouTube tout à l'heure. Alors, le chant d'amour, donc décrit, alors le titre de notre leçon, sixième leçon de cette semaine, s'intitule « Le chant d'amour royal ». Waouh ! Eh bien, ce chant d'amour décrit dans une forme poétique, dans le livre de Cantique des Cantiques, hein, donc le chant des chants, hein, le recueil où il y a tous les cantiques nécessaires ou bien utiles à la poésie et surtout à la poésie amoureuse, eh bien, cette forme poétique, elle décrit de manière ouverte l'amour entre un roi et son épouse. Eh bien, ce texte poétique révèle la culture orientale à laquelle nous ne sommes peut-être pas habitués, à son style en tous les cas, nous occidentaux, à moins de paraître parfois peut-être présomptueux ou bien tout simplement vulgaire, alors que les paroles de ce cantique ont vraiment un sens profond. Et ce cantique-là va se concentrer donc dans le cadre, un seul cadre, celui du mariage, où donc nous allons très bientôt eh bien, discuter de cette leçon et de ce cantique, de ce merveilleux chant d'amour royal. Eh bien, je propose de commencer notre leçon par la prière de notre pasteur Hiro. Ok, nous allons prier. Père éternel, notre Dieu, merci encore pour ce moment de joie et de partage que nous aurons cet après-midi pour pouvoir discuter sur ce sujet aussi important que les autres sujets que nous avons vus auparavant. Merci Père de nous conduire à la compréhension et surtout qu'on puisse exprimer clairement nos idées par rapport à cette leçon. Merci encore Père d'être avec chacun de nous, avec ceux aussi qui nous écoutent en ce moment. C'est notre prière que nous demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, j'ai oublié, pardon, de me présenter donc les deux pasteurs qui sont avec moi autour de sur ce plateau, en tous les cas. À ma droite, j'ai le pasteur Hiro. Bonjour, pasteur. Bonjour, Georges. Voilà, et donc à ma gauche, ma pasteur Mathieu Payette. Bonjour, pasteur. Bonjour, Georges. Voilà, et nous allons cheminer donc ensemble dans cette belle leçon de l'école du sabbat. Alors, le texte central et même à mémoriser hein, est celui du Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6, qui dit ceci « Place-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est plus fort que la mort et la passion jalouse est dure comme le séjour des morts. Ces fièvres sont des fièvres brûlantes, une flamme du Seigneur. » Waouh ! Quel texte nous est envoyé ici, hein? Place-moi comme un sceau sur ton cœur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà de ce texte d'emblée, hein, d'entrée de jeu? Peu importe, qui va commencer?
Alors, nous sommes dans les saisons de la vie, et particulièrement la saison dont nous allons parler aujourd'hui, c'est celle du mariage. Hein? Voilà. Oui. Voilà. Donc, voilà, place-moi comme un sceau sur ton cœur. Je suis convaincu que vous avez des choses à dire par rapport à ce texte. Tout à fait. Donc, okay. Depuis le début de ce nouveau trimestre, donc, par rapport à la leçon, les saisons de la famille, et cette semaine, nous voyons justement, au travers du livre des Cantiques, c'est vrai que l'approche par ce livre, le Cantique des Cantiques, est une approche très, très poétique. Donc, il y a beaucoup de symboles, il y a beaucoup d'images qu'on donne. Mais le plus important, et ce qu'il faut retenir par rapport à cette leçon, c'est que, bien sûr, cet aspect-là de la vie de famille, la vie de couple, l'amour qui peut naître entre un homme et une femme, et tout au long de cette semaine, au travers de ces textes, dans le livre des Cantiques, nous voyons, on va dire, cette beauté qui s'exprime au travers de ces versets, de ces textes bibliques. Alors, ce qu'il faut comprendre au départ, c'est que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, bien sûr, c'est pour vivre une histoire d'amour. Et c'est sûr que lorsqu'on parle d'amour, lorsqu'on parle de poèmes, d'expression de cet amour, c'est ce que nous allons voir tout au long de cette leçon, comment l'homme exprime son amour par rapport à la femme qu'il a épousée, par rapport à la femme qu'il aime. Et c'est ce qui fait que cette école du sabbat est vraiment quelque chose de formidable. Lorsqu'on voit cette façon de pouvoir présenter, il faut avoir beaucoup d'imagination, ça c'est sûr, pour pouvoir voir comment l'homme s'exprime par rapport à cette femme, par rapport à son épouse. Donc bien sûr, il y a le sens littéral, il y a aussi l'image de l'Église avec Dieu. Alors, voilà ce qu'on peut dire pour commencer notre leçon de ce matin. Merci. Savoyette, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Oui, n'oublions pas que cette semaine, on s'attarde quand même un petit peu sur le côté littéral aussi, parce que souvent on prend trop le côté spirituel, on va dire théologique, de la relation entre Dieu et son peuple. Mais ça nous apprend beaucoup de choses aussi lorsqu'on le prend littéralement entre un homme et une femme, qui peut aider beaucoup de couples d'ailleurs à vivre quelque chose de nouveau dans l'amour et rechercher ce véritable amour. Ok, alors, dans le début, en tous les cas, de notre leçon hein, de cette semaine, dans la partie de dimanche, on nous parle de notre corps et de notre esprit qui sont indissociables. Est-ce à dire alors que lorsque j'ai une blessure, lorsque j'ai une fièvre, mon humeur, mon esprit est touché, lorsque le corps est touché, l'esprit aussi est touché ? Il y a quelque chose d'indissociable donc entre mon âme soupire et languit après tes parvis, ô Éternel. Voilà. Hein. Est-ce qu'on peut séparer les deux, ou bien lorsque mon corps est touché, mon esprit, mon âme, tout ce qui est aspect spirituel ou esprit n'est pas touché, c'est juste une petite douleur qui va s'en aller et voilà. Il faut avouer que le sujet de la sexualité, très souvent, par exemple, lorsqu'on prend on va dire, la vie spirituelle, la vie de l'Église, c'est un sujet assez délicat qu'on n'ose pas en parler. Je me rappelle, étant plus jeune, lorsqu'on faisait la lecture de la Bible, lorsqu'on tombait sur, justement, le livre des Cantiques des Cantiques, alors les enfants, par rapport aux parents, lorsqu'ils lisent ces phrases-là, c'est un peu cru, à mon sens. Hein. Oui, oui. Et des fois, on se dit, mais est-ce que Dieu permet qu'on puisse parler du corps de la femme, enfin, mais c'est assez délicat. Donc, au travers de cette leçon, ce que l'école du sabbat, ce que la parole veut nous rappeler, c'est que le sexe est quelque chose que Dieu même, ce n'est pas une invention humaine. C'est Dieu qui a créé, Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu aussi a créé le sexe, la sexualité, relation sexuelle, bien sûr, dans le mariage. Et on aimerait rappeler au travers de cette leçon que la sexualité, c'est quelque chose de formidable, c'est un don que Dieu a donné. Mais aujourd'hui, bien sûr, Satan a fait que
la sexualité est devenue quelque chose de sale, mm-hmm. quelque chose de, avec la pornographie, c'est quelque chose qui n'est pas bon mm-hmm. pour la société. Alors que l'école du sabbat, bien, bien sûr, dans la Bible, nous pouvons le lire dans le contexte des contextes, il y a beaucoup d'aspects. Bien, on parle de sexe sans aller dans, mm-hmm. dans, on va dire, dans les extrêmes, mm-hmm. parce que c'est un, tout d'abord, c'est un don du ciel, c'est un don de Dieu, la sexualité. On l'a vu un peu dans le texte de la semaine dernière, hein, de même il est remis cette semaine, où Dieu dit soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Donc c'est pas une tare, c'est pas aussi les conséquences du péché, ou bien c'est pas la sexualité qui a mis le monde dans le péché, puisque c'est Dieu lui-même qui dit soyez féconds et remplissez la terre. Mm-hmm. On n'a pas dit tout seul. Hein. Voilà, hein, donc la sexualité. Donc, pour revenir donc à ce soupir de l'être humain, hein, bon, nous avons notre corps, c'est une enveloppe, mais qu'est-ce qui se passe au-dedans, peut-être avant de voir la demoiselle ou bien de voir le jeune homme, hein, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous souvenez de ce qui se passait dans votre corps et dans votre esprit lorsque vous avez vu Madame aujourd'hui? Voilà, comment ça se passait? Je devrais laisser Mathieu débuter. Ah, j'espère que tu n'as pas eu une amnésie, pasteur. Hein, vous deux, hein, j'espère que vous n'avez pas eu d'amnésie. Hein, voilà. Il faut faire attention d'oublier quand ça concerne la femme. Hein. Oui, oui. Justement, quand on parle de ce corps, il faut se rappeler qu'il y a certaines croyances qui disent que l'esprit est prisonnier du corps. Mm-hmm. Le corps, c'est le côté charnel, le côté mm-hmm. négatif. Et l'esprit, c'est le côté positif, mm-hmm. le côté parfait et autre qui est prisonnier. Mm-hmm. La Bible ne parle pas de ce genre de choses. D'ailleurs, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il dit que tout votre corps, votre être entièrement, mm-hmm. votre être entier puisse être gardé irrépréhensible. Et là, il parle de quoi? Du corps, de l'être, l'esprit. Tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Mm. Que ce soit nos sentiments, que ce soit le côté intellectuel ou le côté spirituel ou notre corps physique, tout cela fait un tout. Mm. Un tout pour Dieu. On ne peut pas dissocier l'un et l'autre. Mm-hmm. D'ailleurs, lorsqu'on est malade, par exemple, le côté physique souffre, le côté intellectuel, on n'a pas envie de trop penser là, on a envie de prendre peut-être, trouver un remède. Mm. Et le côté aussi spirituel, ben, ça ne nous donne pas trop envie de, des fois, on prie, mais on est fatigué aussi, mm. et ça ne nous permet pas, ça. Tout un affecte l'autre, c'est, mm. d'une manière ou d'une autre. Mm. Et même les émotions, là, rentrent dedans. Mm. Et lorsque on regarde, ben, peut-être la première fois, quand on a vu notre future femme, notre dulcinée, ben, il y a beaucoup d'émotions qui sont venues, mm-hmm. il y a pas seulement le mental, mais il y a le physique aussi. Mm-hmm. On dit waouh, elle est belle et tout. Et ensuite, on pense même à Dieu pour dire pourvu que ce soit elle. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu en même temps. Et lorsque tout cela fait que nous sommes spéciales, mm-hmm. comme créatures, et c'est là que ça rejoint un petit peu à ce qui est écrit dans Cantique des Cantiques. Lorsqu'on dit Cantique des Cantiques, ça nous fait penser à beaucoup de choses. Hein. Et ça nous rappelle aussi peut-être beaucoup de choses. Mm. Lorsqu'on était fiancés, on pensait, on rêvassait déjà, on pensait à l'amour. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'on nous met en garde quand même, parce que cet amour, ben, souvent c'est un amour aveugle. Mm-hmm. C'est pour cela que dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 16, 7, on nous dit ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Donc, fille de Sion, ne réveillez pas l'amour. En quelque sorte, il faut qu'on fasse attention. Il y a un temps pour tout. Il y a un âge pour tout aussi. Et ouais. Le mariage, l'acte sexuel doit être et devient une bénédiction lorsqu'on profite de ce don qui vient de Dieu, comme a dit Pasteur, dans l'endroit où il faut, c'est-à-dire dans le mariage. Ok, merci. Oh. Il faut avouer que ce sujet, surtout pour le Polynésien, lorsqu'on parle d'amour, c'est déjà quelque chose que le Polynésien n'en parle pas. Mm-hmm. Il agit. Mm. Hein? Alors que ici, c'est comment exprimer ses sentiments par rapport à sa femme, par rapport à son mari. Mm. Et ça, je pense, peut-être que je me trompe, je pense que le Polynésien, c'est pas
c'est pas son fort. Tout ce qui se passe, c'est dans sa tête. Il n'arrive pas à exprimer. Alors que ici, dans le cantique, mais on il serait pudique alors. Voilà, voilà, tout à fait. C'est-à-dire dans ce contexte-là. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait changer, qu'on doit exprimer, comme le roi Salomon exprime par rapport à sa compagne. Donc c'est quelque chose qu'on essaie de changer, cette mentalité. Parce que en parlant justement de ce don, le sexe que Dieu a donné pour l'homme et la femme, souvent chez le Polynésien, il a toujours pensé que avoir une relation sexuelle, c'est tout simplement c'est pour avoir un enfant. Alors que lorsqu'on comprend bien justement le domaine de la sexualité, ce n'est pas uniquement pour procréer, ça fait partie de la procréation, mais il y a aussi cette sensation de partager ce plaisir entre un mari et une femme. Et souvent, le Polynésien, voilà, tout en sachant que, bien sûr, il sent du plaisir en ayant une relation sexuelle avec sa femme ou son mari. Mais très souvent, lorsque l'homme doit aller avec sa femme, ils pensent toujours que non, c'est pour avoir un enfant, alors que ce n'est pas toujours le cas. J'espère que ça évolue un petit peu aujourd'hui, pasteur. J'espère aussi. Et on essaie d'encourager, justement, surtout les maris, parce que les maris sont très difficiles, ils n'aiment pas trop parler. Alors que la femme, sa nature, elle aime bien qu'on puisse, voilà, qu'on puisse la comparer, comme on a vu dans les cantiques de cantiques, à plusieurs images poétiques. Ok. Alors, il y a plusieurs choses que vous dites là, les pasteurs. Alors, ce qui m'embête un petit peu aujourd'hui, les Polynésiens, je ne sais pas chez les Réunionnais, hein, voilà, si c'est ainsi aussi, les générations précédentes en tous les cas, c'est pareil à peu près. Ouais. Ok, d'accord. Mais ce que j'aimerais poser comme question, mais peut-être qu'on n'aura pas la réponse sur ce plateau, c'est par rapport à cette pensée donc du jeune fiancé, de la jeune fiancée, qui n'ont peut-être pas forcément les mêmes attentes, comment préparer un garçon, un jeune homme, à la première rencontre avec son épouse? Comment préparer une jeune fille à la première rencontre avec son époux, et est-ce que ça se prépare? Est-ce que ça se prépare? À mon avis, il doit bien se préparer. Ça, c'est sûr, il faut qu'il y ait une préparation. D'accord. Quoique très souvent, on est sur le champ de bataille et puis il n'y a pas de préparation. Oui. Mais c'est encore mieux s'il y a une préparation. Okay. Comme dans toute chose, si on est bien préparé, donc il y aura moins de dégâts, je pense, par rapport à ce qui va se passer par la suite. Ok, parce qu'en fait, les nuits de noces sont quand même mémorables. Ce sont les premières fois. Et quand ça se passe très bien, merci Seigneur. Mais quand ça se passe mal, on a aussi entendu que ça se passait mal. Oui. Donc, voilà. Comment prévenir? Est-ce que c'est le rôle du parent? Est-ce que c'est le rôle du pasteur, du référent de l'Église? Voilà. Ou est-ce que c'est entre jeunes qui vont discuter et qui vont dire, c'est comme ça. Voilà. Alors, la question n'est pas tant sur les postures que sur la relation que je mets en place avec l'autre. Voilà. Hein, je ne sais pas. En tant que pasteur, je ne sais pas si on aura une réponse ici. Mais voilà. Peut-être une partie de la réponse. En matière d'éducation, d'enseignement, c'est vrai que traditionnellement, c'est très rare que tu vois un parent dire à son fils ou à sa fille, viens, assieds-toi, je vais t'expliquer ce qu'est la sexualité. Voilà. Déjà, au niveau de l'école secondaire, on commence déjà, peut-être à l'école primaire, je ne sais pas aujourd'hui, c'est quoi les cours, quels sont les cours. Mais aujourd'hui, c'est en voie, en tous les cas. Il y a une éducation qui doit se faire au sein de cette société, au sein de l'Église, même aussi en tant que pasteur, nous avons aussi notre responsabilité. Et je sais que depuis quelques années déjà, au niveau du corps pastoral, nous avons une formation qu'on est supposé donner à tous les couples qui se préparent au mariage. Et je trouve cette formation formidable, même les couples qui se préparent, c'est une formation formidable, alors que nos parents, nos grands-parents n'ont jamais eu cette formation. C'était
On se rencontre, on se marie, et puis voilà, on découvre la vie. Alors ou c'était des mariages arrangés. Oui, voilà, hein? la plupart. Mmh. Ouais. Alors donc, c'est important que chacun puisse avoir sa part de responsabilité. Mmh. Mais c'est sûr que je me mets à la place de ce parent. C'est très difficile pour un parent de pouvoir parler du sujet correctement. Mmh. Ouais. Donc, très souvent, nos enfants, nos jeunes, ils apprennent la sexualité où ? Dans le quartier, avec les copains, avec les copines. Mmh. Et c'est plutôt la pratique tout d'abord. Mmh. Voilà. Et parfois, la théorie, on va tout de suite à la pratique et puis on découvre ce qu'est la sexualité. Alors que, voilà, on n'a pas eu d'enseignement vraiment adapté. Mmh. On découvre et puis parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mmh. Et parfois, il y a aussi des déceptions. Ouais. Voilà. Donc, tout cela, chacun, à mon avis, chacun a sa part de responsabilité. Mmh. Les parents ne doivent pas dire non, c'est le travail des professeurs, des instituteurs, ou bien non, on va donner ça au passeur, le passeur, l'information, c'est lui qui doit s'occuper de ça. Je pense que chacun a sa part de responsabilité pour apporter un enseignement à nos enfants, à nos jeunes, pour qu'ils puissent découvrir et puis vivre mieux cette sexualité que Dieu a donnée à chaque être humain. Ok. Pasteur Payet ? Justement, en effet, il y a dans la préparation au mariage, il y a une partie où on parle sur la sexualité. Mm-hmm. Et là, on parle ouvertement avec les personnes concernées. Ils sont vaccinés, grands, 18 ans, généralement, et plus. Et donc, ils vont se marier. Donc, on va pas faire... Il n'y a pas de tabou, en réalité, dans ce domaine-là. Il faut bien parler, bien dire. Et la Bible nous aide, justement, par exemple, le Cantique des Cantiques est rempli d'exemples. Hein. Mm. Même lorsque, déjà, on nous fait comprendre que cette Tsulamite se prépare au mariage et elle se préserve, en fin de compte. On parle qu'elle est comme un mur, c'est-à-dire qu'elle se préserve pour pouvoir ouvrir son jardin par la suite lorsqu'elle se mariera avec son bien-aimé. Mmh. Et donc, il y a beaucoup de choses à découvrir et ça se prépare, bien sûr, on en discute, on en parle, ce qu'ils ne peuvent pas dire avec les parents. Ouais, ça se discute entre pasteurs et les personnes concernées et ainsi de suite. Mais chacun, comme a dit pasteur, a sa part en réalité, devrait avoir sa part. En tant que père, parler avec son fils. En tant que mère, parler avec sa fille. Mm-hmm. Donner quelques conseils. Ouais. On peut aller jusqu'à un certain niveau en tant que pasteur, mais on ne peut pas, on peut pas aller plus loin qu'il n'en faut. Quoi. Alors, pasteur Hiro, tu parlais tout à l'heure de l'éducation nationale qui prend en charge cette éducation à la sexualité, le quartier... la famille, enfin, surtout les cousins, les cousines, très certainement. Mais le danger que je pourrais voir dans cette appropriation de l'éducation nationale, et j'espère que je ne vais pas choquer les hauts responsables de l'éducation nationale, c'est qu'en fait, on va enlever aux familles qui connaissent théoriquement mieux leurs enfants cette éducation à la sexualité, et même l'éducation tout court, parce que nos enfants passent de moins en moins de temps avec nous, en famille. Ils sont toute la journée à l'école. Donc, moi, je dis attention, danger. Hein? Lorsque le parent ne joue pas son rôle, lorsque le responsable d'église ne joue pas son rôle, je dis attention, danger, parce que je ne sais pas, ça va bientôt commencer à la maternelle. Les vidéos que j'ai pu voir, je suis juste scandalisé. Oui. Moi, j'ai été choqué. Voilà. On enseigne à des enfants de 3-4 ans la sexualité. Ouais. Oui, non, c'est chaque chose en son temps. Ouais. Hein? Voilà, et c'est la Bible qui le dit. C'est vrai que les confessions religieuses ont un point de vue par rapport à l'éducation sexuelle et l'éducation nationale, comme tu dis. Bon, ils ont une autre façon. Est-ce que tous les parents sont d'accord? Je ne pense pas, mais voilà, c'est sûr que c'est un combat pour nous. Parce que je sais que, en parlant déjà de lorsque j'ai grandi, j'ai commencé à entendre parler à l'école, j'avais peut-être 15 ou 16 ans. Mm-hmm. Alors qu'aujourd'hui, dès la maternelle, on voit qu'il y a des programmes spécifiques par rapport à l'éducation sexuelle. En maternelle, c'est nouveau, mais voilà, est-ce que... on pourrait accepter ça, je ne sais pas trop. Personnellement, chaque parent, je n'accepterai pas. Chaque parent va décider pour leurs enfants. Je vais me pointer à l'école maternelle pour voir par rapport à mes autour. Hein. Qui va le faire et comment il va le faire. Voilà. Concernant nos enfants, je pense que c'est notre responsabilité en tant que parents de pouvoir recadrer les choses quand ils entrent à la maison. Et peut-être, c'est vrai que
malheureusement, on est en train de parler de ce qu'on annonce et on présente à l'école, mais à la maison aussi, qu'on laisse les enfants devant la télévision, devant un film, que même s'ils ne comprennent pas grand-chose, comme on a envie de regarder le film, bah, ils vont rester regarder en même temps que nous. Et des fois, c'est un film où il y a des scènes, des fois, souvent, où on ne montre pas la réalité des choses et on ne montre pas l'amour comme il se doit. Tout à fait. J'ai envie de dire, lorsque le couple se rencontre pour la première fois, il faudra oublier tout ce qu'on a entendu à l'école, tout ce qu'on a vu à la télé, parce que ce n'est pas la réalité. C'est une réalité arrangée, on va dire. Oui, voilà. Donc, voilà, OK. En tous les cas, c'est mon point de vue. Et voilà, dans les sociétés, donc, il y a des tabous, hein. Et ces tabous-là, comment nous les vivons? Est-ce que dans la Bible, il y a aussi des tabous? Ça, on va le voir tout à l'heure, hein, ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Hein. Alors, ce chant d'amour quand même, cet amour, hein, chapitre 1, verset 2 et verset 13, hein, cet amour, en tous les cas, vaut mieux que le vin. Et mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Waouh, c'est magnifique ça. Oui. Quand on est marié, oui. Oui, quand on est marié. Bon, depuis tout à l'heure, on dit quand on est marié, quand on est marié. Oui. Bon, est-ce qu'il y a des textes qui nous font de cette théorie, mais cette affirmation que c'est dans le mariage? Alors, en fait, l'approche du roi Salomon par rapport justement à la femme, c'est vraiment magnifique, son approche par rapport à cette femme. C'est une créature merveilleuse et il utilise des images, on va dire, vraiment. Par exemple, il utilise l'huile, des fleurs, des parfums, vraiment. C'est pour décrire la valeur d'une femme, la valeur d'une épouse. Donc, il amène vraiment la femme à un endroit où on doit vraiment, c'est vraiment le grand respect avec un grand R par rapport à cette femme. Et ce n'est pas quelque chose où on s'amuse avec. Une chose, c'est pas une chose. Voilà, c'est pas une chose, c'est un être vivant et surtout, c'est une personne que nous aimons et que nous devons la traiter comme elle se doit, c'est-à-dire une créature si merveilleuse comme le dit le roi Salomon. Et c'est justement cet enseignement, cette éducation que le roi Salomon veut rappeler à l'être humain. Parce qu'aujourd'hui, c'est malheureux à dire, mais la femme, elle est traitée comme un objet sexuel, tout simplement. Ça, c'est la société d'aujourd'hui, avec la pornographie, avec je ne sais pas combien de milliards de dollars, on se fait par rapport à cette image. La femme n'est plus devenue un être humain, mais un animal, une bête. Et c'est justement au travers de cette leçon que le roi Salomon aimerait rappeler que la femme, c'est une créature merveilleuse. C'est un don de Dieu. Et que nous devons la traiter comme quelque chose de particulièrement... Voilà, ce n'est pas un objet, ce n'est pas un animal. Il y avait aussi le côté où, quand on a commencé, on avait parlé de du fait que quand on faisait l'acte sexuel, c'était automatiquement, dans la pensée des autres, de certains, avoir un enfant. Et là, on voit bien que dans, par exemple, l'exemple de des Cantiques, chapitre 5, verset 16, on nous parle de... Elle appelle mon bien-aimé, tel est mon bien-aimé, tel est mon ami. Et cette expression « ami », ça ne veut pas dire « je vais coucher avec lui, c'est mon mari » et tout. Non, c'est cette idée de pouvoir... On parle de camaraderie sans relation sexuelle. Ça veut dire que l'amour, et le véritable amour d'ailleurs, n'aboutit pas automatiquement et ne doit pas aboutir automatiquement à l'acte sexuel. Ça peut tout simplement être un moment qu'on passe ensemble, un moment où on apprend à apprécier l'autre. Et c'est là que c'est extraordinaire lorsqu'on parle de l'amour. Ici, c'est très équilibré lorsqu'il parle d'ailleurs. Souvent, on est choqué par certaines précisions dans ce qu'il dit Salomon, ou la Sulamite aussi. Mais on voit qu'il y a un équilibre. Et d'ailleurs, quand on parle, souvent, le mariage arrive à un certain moment, hein, dans la fin du chapitre 4, début du chapitre 5, le mariage arrive. Mais tout ce qui est avant, ce sont presque des fantasmes équilibrés, bien ordonnés, où on ne se laisse pas aller, mais c'est tout simplement un désir. C'est souvent quand, juste avant de passer, on est dans les fiançailles, on sait que le mariage est très proche,
Ben, des fois, on se permet de dire, bientôt, je pourrai faire tout ce que je veux avec ma femme, et personne ne me défendra. Et donc, mais eux, ils expriment ça d'une autre manière. Et ce qui est important là-dedans, c'est de savoir qu'il y a la communication qui se fait. Tout le long, il y a une discussion entre celui, le bien-aimé et la bien-aimée. En fin de compte, l'amour, ce n'est pas seulement de dire, on se regarde, on s'aime, on se marie, on fait des enfants, point barre, c'est tout. Chacun sait qu'est-ce qu'il a à faire, l'autre a fait que à manger et moi je vais au travail. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour, c'est plus que cela. L'amour, c'est de se donner à l'autre. Et d'ailleurs, à un certain moment, elle va dire, je suis à mon bien-aimé est à moi. Donc, on voit qu'il y a cette réciprocité, oui, on se donne à l'autre. Et ça se fait mutuellement, c'est extraordinaire. Avant d'aller plus loin concernant justement cette relation d'amitié, hein, avant de pouvoir ressentir ce besoin d'avoir une relation sexuelle, il y a bien sûr cette sensation d'être bien avec la personne. Voilà. Avant de pouvoir penser à la sexualité, il y a déjà cette attirance. On aime être avec, on aime parler, on aime partager. On aime partager ce que l'on aime ensemble. Et la sexualité, on va dire, c'est la cerise sur le gâteau. Ce n'est pas... Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est le contraire. C'est tout de suite, on passe à la sexualité, et puis on commence à fréquenter, à se connaître. Alors que le plus important dans notre leçon, comme dans notre vie de tous les jours, c'est de comprendre, parce que comme c'est un don de Dieu, donc c'est de comprendre comment Dieu voit la sexualité, comment je vois la sexualité, est-ce que je vois la sexualité comme Dieu voit, ou bien je fais de cette sexualité comme quelque chose que je désire et puis je ne regarde pas, je ne demande pas comment. Est-ce que la sexualité que je vis aujourd'hui, est-ce que c'est la sexualité que Dieu veut ou pas? Et c'est ce qui est important. Aujourd'hui, on vit la sexualité hors mariage, sans le mariage. C'est tout simplement de dire à Dieu, je fais ce que je veux avec, c'est mon corps, voilà. Alors que je consomme... Point. Voilà. Alors que Dieu a bien préparé les choses. Il faut déjà se connaître. La sexualité, c'est le résultat, c'est voilà. C'est le gars, c'est la suite sur le gars. Voilà, l'aboutissement de cette connaissance, de ce partage que nous voulons avoir avec cette femme ou cet homme que nous voulons vivre notre vie. Alors lorsque on parle beaucoup d'amitié hein, dans notre leçon, c'est ce qui va fonder, je pense. Ce futur couple, ces souvenirs, hein, ou ces bons souvenirs si possible, parce qu'il y a peut-être des mauvais souvenirs, j'espère qu'il n'y en a pas, hein, lorsqu'il y a les fréquentations. Hein. Donc ces souvenirs peut-être vont aider le futur couple à aller plus loin à chaque fois, même si parfois on est au plus bas, de se relever et de continuer. Hein. Alors, comment on sait que, ça y est, l'amitié, c'est fini, maintenant, il faut passer à autre chose? Est-ce que vous, pasteur, vous devinez, ou bien est-ce que dans le chemin, c'est quand les personnes viennent vous voir, disent, voilà, on aimerait être accompagné, on aimerait... c'est là que vous dites, bon, ça y est, on va passer à autre chose. Voilà, à quel moment il y a cette franche amitié et à quel moment ça bascule? Est-ce que vous avez des indices? C'est quelque chose que dont seules les deux personnes ressentent quelque chose. D'accord. Voilà. Okay. On peut-être voir, ils vont mieux ensemble, ils vont très bien ensemble, alors que voilà, il faut laisser le cœur parler. C'est chacun partage ce qu'il a dans son cœur tout d'abord. Des fois, on a du mal à trouver les mots, comme le roi Salomon, mais voilà, c'est le cœur qui parle. C'est-à-dire qu'il y a ce ressenti, et on se tient la main, on est bien ensemble, et puis voilà. Il y a le fait de tenir la main, le fait de vouloir être ensemble, explique déjà plus de la moitié des choses. Il n'y a pas besoin de s'exprimer. Le fait d'être ensemble, on est tout rouge. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui peuvent révéler cela. Alors j'ai un regard enjoué sur notre leçon d'aujourd'hui, hein, parce qu'il y a plein de souvenirs qui remontent à la tête. Hein. Ouais. Voilà. Donc, pasteur Payette, est-ce que tu as des indices? Non? Oui? Toi-même, tu as une réponse à tout cela, alors. C'est vrai que Paul dit quelque chose dans Romains 1 Corinthiens 7 aussi. C'est vrai que chacun de nous, ceux qui sont mariés, sont passés par là. On sait
ça vient petit à petit dans la discussion, dans la communication qu'on a, à force de passer du temps ensemble, de voir qu'il y a des liens qui, et des sentiments qui grandissent. Et à ce moment, on ose parler un petit peu des fiançailles. Après les fiançailles, on commence à penser, entrevoir déjà de loin le mariage. Et ça vient petit à petit. Mais on donne un conseil aussi. Ça arrive que des fois, on est en train de brûler sur place. Hein? Et Paul va faire comprendre cela dans 1 Corinthiens 7. Il va dire, au lieu de brûler, hein, mieux vaut vous marier, si vous, surtout si vous n'avez pas ce don particulier comme moi d'être célibataire. C'est un don. Hein? Ça veut dire que ce n'est pas nous qui décidons, c'est Dieu qui offre ce don-là, si on est célibataire ou pas. Et donc, au lieu de brûler, il va dire, brûler, c'est quoi? C'est vraiment... Là, quand on touche la main, c'est pas seulement on devient rouge, c'est le feu qui prend dans tout le corps. Et là, au lieu de rester là, toujours de dire, bon, ben, ce sera dans 5 ans seulement qu'on va se marier, là, on va cramer sur la place. Et donc, pour éviter tout problème et respecter ce que Dieu attend de nous, ben, mieux vaut se marier, dit-il. Mais dans le mariage aussi, n'oublions pas qu'il y a cette idée qu'on doit rendre l'autre heureux, pas... On ne se marie pas pour être heureux, mais pour rendre l'autre heureux. Le don. Hein. Voilà, on se donne à l'autre. Il y a toujours cette idée. Et ce que j'aime bien dans Cantique des Cantiques, si on le lit depuis le début jusqu'à la fin, ils sont vraiment dans la lune de miel. Hein. Il n'y a pas de... tout est beau, tout est bien, etc. Ça peut nous donner une leçon aussi. Même quand on est marié, ça ne sert à rien de ressasser les côtés négatifs de l'autre ou du passé. Ça ne sert à rien... Ce qui construit l'avenir, c'est de se rappeler ce qu'on a vécu comme bon moment ensemble, ce qu'on a vécu comme expérience ensemble. D'ailleurs, Jésus, quand il va revenir, il ne va pas dire, toi Matthieu, tu te rappelles, hein, il y avait ça, il ne va pas me ressasser tout ce que j'ai fait comme bêtise dans toute ma vie. Non, il va tout simplement dire, viens, parce que tu as demandé pardon pour ça, c'est fini tout ça. Mais par contre, tu te rappelles quand j'ai fait ça pour toi? Ce ne sera que le côté positif qui construit. Toujours revenir sur le côté négatif, ça ne va pas apporter grand-chose. Voilà. Ça ne va apporter que de l'amertume, des problèmes, et ce ne sera plus un jardin comme on parle dans le Cantique des Cantiques. Ce sera... D'un fruitier et de fleurs. Hein. Voilà, hein. C'est magnifique ce mélange. D'un fruitier, il n'y a pas de cactus dedans. C'est une belle fleur aussi. Ouais. Oui. Alors... par rapport donc à cet amour, hein, tu parles du feu, hein, donc Paul parle du feu, mais dans Cantique chapitre 8, verset 6, hein, l'amour, car l'amour, c'est notre texte hein, à mémoriser, car l'amour est fort comme la mort. La mort, on ne peut pas l'arrêter, l'amour non plus. Ça veut dire beaucoup, hein. Tout à fait, lorsqu'il y a l'amour entre deux personnes, même la mort ne peut pas, ne peut pas arrêter. Même si la personne, elle décède, elle n'est plus là, mais l'amour, elle reste toujours là. Donc, c'est un facteur très important. Mais ce qui est intéressant par rapport à la leçon d'aujourd'hui, c'est un rappel de ce don que Dieu a donné pour l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, que se passe-t-il par rapport au sexe, à la sexualité? Aujourd'hui, nous savons tous que Satan a cherché par tous les moyens de détruire ce don que Dieu a donné. Aujourd'hui, le sexe est devenu un business tout d'abord par rapport à la prostitution. Et aussi, le sexe aussi est quelque chose dont pour beaucoup d'hommes, un moyen de pouvoir satisfaire ses besoins personnels. Hein. Alors que le sexe n'est pas quelque chose comme un sport qu'on pratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai telle heure à telle heure, j'ai ça. Mais c'est vraiment un don merveilleux, un don qu'on doit partager entre mari et une femme qui se respecte et qui s'aime. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire parce qu'on veut se faire plaisir. Mais c'est quelque chose que donner à un homme et une femme qui se sont dit oui, qui se sont promis fidélité. Là encore, c'est un terme c'est que beaucoup de personnes ont déjà ignoré, la fidélité. Même s'ils sont mariés, mais ils vont toujours voir à gauche, à droite, pour satisfaire toujours ce besoin physique qu'ils ont de pouvoir avoir des activités sexuelles de gauche à droite. Et ça, c'est un fléau de plus en plus, on va dire,
fréquent, même parmi les chrétiens. Malheureusement, c'est malheureux de voir ça. Donc, c'est un acte égoïste qu'on appelle l'amour. Hein? Alors que l'amour, c'est donner du plaisir et quand les deux sont consentants, il me tout semble. Tout à fait. Il me semble qu'il y a ce minimum-là requis. Hein? OK. Pour revenir un petit peu sur ce que tu as dit, d'ailleurs, justement, pour rejoindre un peu Pasteur aussi, il y a ce beau texte de Romains chapitre 8, hein, quand on dit l'amour, qui pourra faire nous séparer de l'amour de Christ? Au verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Soit sa tribulation, l'angoisse et tout. Et il termine par verset 39, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. On voit que l'amour, quand elle est véritable, personne ne pourra l'enlever. Aussi fort que l'amour. Et même plus fort que l'amour. Oui. Et c'est là que c'est extraordinaire, parce que quand on regarde tout ce qui est écrit là, si on s'arrête là, il y aura toujours des problèmes entre un couple tant qu'on est sur Terre. Parce qu'on n'est pas dans un monde parfait. Mais si on s'arrête pas sur les problèmes, mais on regarde qu'est-ce qu'on peut construire ensemble, c'est là que c'est extraordinaire, parce que cet amour, c'est justement savoir reconnaître ses torts, reconnaître aussi sa part, mais aussi vouloir toujours faire de son mieux. Pour l'autre, pas pour moi, mais pour l'autre. Ça impliquera bien sûr la maîtrise de soi aussi. Ça, c'est un grand défi pour beaucoup d'entre nous, et surtout pour les hommes plus que pour les femmes généralement, où on doit apprendre à se maîtriser, à respecter sa femme. Et d'ailleurs, dans 1 Corinthiens 7, qu'on a lu, là, le verset 3 et 4, on précise bien que souvent, nous, on dit « tu m'appartiens ». Ce n'est pas un langage d'amour, ça. Hein? Au contraire, il dit que le mari rend à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ça veut dire que chacun a des besoins. Il faut se rappeler que l'homme n'est pas un roc seulement, mais il a des sentiments aussi. Souvent, on croit que l'homme, c'est le boss. Il peut supporter tout et la femme peut taper dessus et tout, etc. Non, les deux sont des êtres à sentiments. À sentiments. C'est séparé. Verset 4, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et ça ne s'arrête pas là, heureusement. Et quelque chose qui n'est pas logique pour les auditeurs de Paul à cette époque, c'est la suite. Pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Là, ça a dû choquer beaucoup de personnes de son époque, parce que c'est pas ça, la compréhension. C'est l'homme le chef, c'est l'homme qui domine, c'est l'homme qui décide de tout. Et là, on dit quoi, non? Chacun doit s'aider mutuellement, doit se dominer, doit s'aimer, doit se protéger, doit aider l'autre mutuellement. Entretenir cette flamme, entretenir cet amour, se soutenir, tout à fait. Et ne vous privez point de l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde un ça... Pardon, vas-y. Oui, c'est vrai que si on regarde ça, il faut faire attention, parce que certains disent « Ah ben, on peut se séparer aussi de corps. » Mais ils disent pour un temps, afin de vaquer à la prière. Voilà. Donc l'idée, c'est... Si on rassemble tous les textes du Nouveau Testament particulièrement, quand on va vaquer à la prière, souvent si on se sépare, c'est parce qu'on s'est accroché un petit peu pendant la journée. On doit se séparer. Certains disent « je reviendrai la semaine prochaine ». Ce n'est pas ça qu'on dit ici. Non. Pour un peu de temps pour vaquer à la prière. Moi, je crois que si on s'est disputé le matin, le peu de temps, c'est maximum avant le coucher de soleil. Pourquoi? Parce que si on doit vaquer à la prière, Jésus dit « si tu viens offrir apporter ton offrande et que tu te rappelles qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? Laisse-la ton offrande. Laisse-la ton offrande et va te réconcilier. Après, viens. Et en quelque sorte, si je sais que je me suis accroché avec ma femme, avant de prier, je vais dire, oh là là, ça ne va pas ma prière. Il faut que j'aille voir ma femme. Et avant le coucher du soleil, parce qu'il est dit aussi ailleurs... Que ta colère ne se couche pas sur... Donc, elle ne se couche pas sur ta colère. Voilà. Et donc, ça veut dire que le peu de temps, l'idée, c'est quand on est marié, profiter de chaque moment ensemble, pas pour se disputer, mais pour essayer de construire ensemble. OK. Oui, donc, afin de vaquer à la prière, hein, ce petit peu de temps, et puis retourner ensemble. Faites vite, parce que Satan il va vous tenter. Par votre incontinence. Donc, c'est
un conseil judicieux. Pourtant, il n'est pas marié, Paul. Hein? Hein? Tout à fait. Et quel conseil il peut donner, hein? Qu'il peut donner au couple, hein? Voilà, chers amis, si vous vous êtes disputés ce matin, bien ce soir, pas de silence, hein? Discutez. Hein? Voilà. Dans le Folie Savant, on parle aussi justement l'amour au bon moment. Oui. Oui. Pas aussi que ce soit trop précoce, trop jeune, ou peut-être aussi, il y a des personnes qui disent je ne suis pas encore marié parce que je recherche l'homme parfait ou la femme parfaite. Alors, il y a aussi, voilà, je ne sais pas si cet homme parfait ou cette femme parfaite existe, mais d'après ce que j'ai recherché, je n'ai pas encore trouvé, je ne trouverai jamais cet homme parfait et cette femme parfaite. Quoique, il y a beaucoup qui attendent encore. Ben, on les encourage d'attendre, mais je pense que l'attente va être longue. Parce que cet homme parfait, cette femme parfaite n'existe pas encore. Mais c'est vrai que dans certaines cultures, certaines traditions, il y a des enfants qu'on marie. Oui. Voilà. Est-ce que ce sont des choses, malheureusement, qui se passent dans le monde? Heureusement, il n'y a pas ici en Polynésie française. On est déjà épargné par cela. Mais il y a aussi le souci... par rapport à cette différence d'âge. Il y a des personnes âgées qui se marient avec des jeunes personnes. Donc, il y a aussi, on peut rencontrer des soucis par rapport à ça. Donc, par rapport à ce bon moment, alors quel est le bon moment? C'est à nous de pouvoir apporter des éclaircissements par rapport à cette question. Alors, je vais peut-être alimenter un petit peu ce bon moment. Hein. À l'époque, je ne connais pas trop cette culture-là, hein, orientale. Mais aujourd'hui, est-ce que le bon moment, ce serait, voilà, vous avez un travail, vous avez une maison, là, vous pouvez vous marier. Est-ce que c'est ça, le bon moment? Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est l'idéal. OK. Bon, si c'est l'idéal, bon, il faut oublier. L'homme et la femme idéale n'existent pas, donc il faut oublier. La situation idéale peut exister. ça dépend de nous. Oui. C'est vrai qu'il faut le préparer. C'est comme un oiseau, il va faire son nid, ça va prendre du temps. De même, nous aussi, on doit préparer notre nid. Surtout si c'est l'homme qui travaille à ce moment-là, il voit que c'est une belle femme. Il ne va pas dire, bon, ben, on va se marier, on va dormir sous les cocotiers. Ça pourrait marcher au tout un bouton peut-être, mais ce sera compliqué quand même. Hein? Compliqué quand même. Donc, il faut faire attention. C'est une préparation. Ouais. D'ailleurs, lorsqu'on lit Cantique des Cantiques, on voit que le bien-aimé a un endroit pour emmener sa bien-aimée. Voilà. Et la bien-aimée aussi a son endroit aussi où elle voudrait quitter pour pouvoir suivre son bien-aimé. Il ne suit pas n'importe où. Donc, il y a cette idée de préparation et de préparer le nid, en quelque sorte, le nid douillet des amoureux. C'est une situation idéale, c'est un vœu pieux de chaque parent, peut-être, hein, mais qui, peut-être, aujourd'hui, est difficilement atteignable. Il y a une crise économique. Souvent, les enfants habitent toujours chez papa et maman, dans une chambre, certes, ou chez grand-père, grand-mère, chez tati, dans une chambre, mais le couple n'existerait que dans cette chambre, alors qu'ils auraient pu avoir un jardin, ils auraient pu avoir une salle d'eau, une cuisine, un salon à eux deux. Hein, ça, ce serait mieux que d'avoir juste une chambre. En fin de compte, ce n'est pas encouragé, ce n'est pas conseillé de rester chez papa, chez maman. Depuis le début de la Bible, pourtant, ce n'est pas écrit pour Adam et Ève, rappelons-nous. Hein, oui. L'homme quittera son père et sa mère, il n'y avait pas de mère pour Adam et Ève. Hein. Mais c'est vraiment pour nous aujourd'hui aussi. Ça veut dire que c'est pour toutes les personnes qui vont venir après Adam et Ève. L'idée, c'est de quitter son père et sa mère. Souvent, on dit, dans notre culture, c'est normal, on reste à côté. Ben, l'île de la Réunion, c'est à l'époque, c'était comme ça. Hein. Tout le monde reste dans le même... Gilon familial, voilà. Il y a la maison là, on ouvre la porte, la maison de l'oncle de l'autre côté, du cousin et tout. Tout le monde sur le même terrain. Et il y a peut-être même, des fois, il n'y a même pas de barrière entre. Donc, ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est... quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme, et emmener sa femme ailleurs, à un endroit bien précis où on fonde un foyer à nouveau. Et là, c'est un nouveau départ, sans papa, sans maman,
Sans oublier qu'on a papa, maman quand même, hein, voilà. On les aime toujours, mais voilà. On doit construire. Vivre quelque chose, construire quelque chose sans papa et maman qui est là toujours pour apporter son grain de sel ou bien sa petite touche. Ça, c'est facile pas... ça pour papa et maman. Est-ce que c'est on le jeune couple qu'il faut préparer à partir ou bien c'est papa et maman qu'il faut aider à couper le cordon, hein. Les deux. Les deux, oui. Mais en revenant justement sur ce facteur temps, hein, donc le cantique des cantiques au chapitre 4, verset 12, je pense, voilà. Il dit ceci: tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Donc c'est l'image de quoi? L'image de la virginité. Hein. Donc ce qui est sûr, alors j'aimerais lancer un appel à toutes ces jeunes filles aujourd'hui, jeunes hommes. Hein. Voilà, donc ce que Dieu désire, ce qui est préférable, ce qui est mieux pour vous tout d'abord, pour le respect déjà de ce corps-là que Dieu vous a donné, c'est bien sûr d'arriver au mariage en étant toujours vierge. Car nous avons vu, c'est un cadeau que nous voulons offrir. Alors, on essaie d'imaginer l'image de ce cadeau. Lorsqu'on offre un cadeau à quelqu'un, on ne va pas ramasser un cadeau au dépotoir et puis offrir. Donc, c'est quelque chose de neuf, c'est quelque chose de beau qu'on va offrir. Et c'est justement, je pense, ce sera le meilleur cadeau que nous pouvons offrir à nos maris, à nos femmes, le jour de la lune de miel où on offre nos corps et puis on est... Voilà. On est ce jardin fermé, cette source fermée, cette fontaine scellée. C'est l'idéal. Bon, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas su, qui n'ont pas connu le plan de Dieu, il n'est jamais trop tard de pouvoir bien faire les choses à partir d'aujourd'hui. Considérer ce corps comme un objet sexuel, mais vraiment comme une créature que Dieu a un grand respect par rapport à ce corps. Ce qui était intéressant pour moi dans ce texte-là, c'est cette fontaine scellée. Hein. Les fontaines se trouvent au beau milieu du village où on vient puiser son eau. Et justement, ben, ce n'est pas pour tout le monde, c'est juste pour mon bien-aimé. Ça veut dire que tout le monde va tourner autour, mais même s'il tourne autour, on se préserve. On ne peut pas dire au bien-aimé, tu sais, ben, j'ai dû te donner à boire un petit peu à un tel. Et voilà quoi, c'est comme si on offre un cadeau. Oui. Et après, on dit, c'est l'anniversaire de ma femme après-demain. Donc, j'apporte un cadeau. Après, je lui dis, excuse-moi, il manque un petit pouce le cadeau parce que c'est une autre femme qui a dû prendre pour voir si c'était bon ou pas. Ça passe pas. Non. Donc, il faut se préserver. Il faut apprendre à le faire. Alors, le verset 8, chapitre 8, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein. Donc, nous avons une petite sœur. Hein, donc les frères qui ont une petite sœur, et la grande question, est-ce qu'elle sera un mur, verset 9, ou bien est-ce qu'elle sera une porte ouverte, toujours dans cet esprit de virginité, donc scellée. Hein. Et qu'est-ce que les frères viennent faire dans cette histoire? Mais ils sont appelés justement à protéger leur sœur pour qu'elle soit préservée justement le jour où elle connaîtra son mari, qu'elle puisse être préservée justement de ces requins ou de ces loups qui rôdent autour d'elle. Donc ça veut dire que en tant que famille, que ce soit la famille biologique ou la famille ecclésiale, nous devons aussi préserver cette responsabilité de préserver nos petits frères. Ok. On peut dire aujourd'hui le travail est de plus en plus difficile. Parce que lorsqu'on regarde un peu la pornographie aujourd'hui, enfin, il y a quelques années, il y avait la télé, mais aujourd'hui, ce sont les smartphones où tout le monde a accès à cette pornographie gratuite. Donc, là encore, ce sont des fuites où nos enfants, nos jeunes, ont accès. Alors, comment, en tant que parents, nous pouvons bloquer, nous pouvons filtrer cela? Parce que lorsque un enfant qui commence à devenir adolescent, lorsqu'il voit ces images, il y a des choses qui se passent. Voilà. Donc c'est vrai que ce n'est pas chose facile, mais nous sommes responsables de tout cela pour essayer de protéger au mieux justement nos enfants. Par rapport à la pornographie, la semaine dernière, donc dans notre leçon, le texte disait « ne va pas vers l'étranger ».
Pourquoi étais-tu vers l'étrangère? Et l'étrangère, ce n'est pas forcément une personne physique. En deux clics, la pornographie, c'est aussi l'étrangère. L'étrangère dans ce couple qui essaye de construire les choses. Et donc, cette étrangère non plus ne doit pas entrer dans ce couple-là. Ça peut apporter beaucoup de soucis, même dans leur relation. Mais bien sûr. Et dans la communication, parce que là, on risque de communiquer plus avec le smartphone ou l'ordinateur ou autre qu'avec sa femme ou vice-versa. Oui. Donc, il faut faire attention. Donc, cette chasteté, hein, avant le mariage. Alors, certains diraient, les copains, les copines diraient, allez, un peu d'expérience, c'est mieux. Quand tu seras marié, ça sera mieux avec de l'expérience. Ça vient en contradiction. Il faut juste se poser la question, est-ce que tu es content si quand tu débouches ton paquet de cadeaux, tu vois que ça a été déjà utilisé? Donc c'est pas bien, quoi. Autant que pour le garçon que pour la fille. Souvent quand on parle, on pense surtout la fille, mais pour le garçon aussi surtout. Oui. Parce qu'en fait, l'acte sexuel, c'est un cheminement. On se découvre. Et voilà, c'est un cheminement. Mon cheminement avec mon épouse ne serait pas ton cheminement avec ton épouse. C'est deux cheminements différents, il n'y a rien à comparer, il y a juste à cheminer et à surtout dialoguer. Hein. Quand on regarde au début de les quatre premiers chapitres, hein, là ils sont dans cette flamme, dans cette... dans ce désir de l'un pour l'autre. Dans la passion. Après, quand on arrive, qu'on décrit un petit peu le mariage, en quelque sorte, on voit qu'il y a une comparaison qui est faite par rapport à l'entrée du peuple d'Israël dans la Canaan terrestre. Parce que chapitre 4, le verset 11, on dit « Tes lèvres distillent le miel, fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait. » On appelait la Canaan terrestre là où coule le lait et le miel. En quelque sorte, quand on va arriver dans le mariage et qu'on goûte à la sexualité, ça devient quelque chose d'extraordinaire qu'on apprécie et qu'on va apprécier. Et c'est là que c'est comme si on arrive presque un petit bout du paradis qui rentre dans notre vie avec cette femme qu'on a tant attendue. Pendant tous les moments de fiançailles, cette fiancée maintenant m'appartient et je lui appartiens. C'est surtout je lui appartiens et elle m'appartient. Et c'est là qu'on vit quelque chose d'extraordinaire. Peut-être qu'on va discuter un peu sur un point que l'école Sabbat rappelle par rapport justement à l'objectif que Dieu voulait atteindre. Par rapport à la sexualité entre, bien sûr, l'homme et la femme. Hein. Donc ça a été, et c'est toujours très clair, la sexualité pour l'homme et une femme. Ce n'est pas pour l'homme et un autre homme, ou pour une femme, pour une autre femme. Donc au travers de cette leçon, Dieu veut rappeler, même si aujourd'hui l'homme, en général, a changé, a perverti, cette notion de sexualité, Dieu veut rappeler au travers de tout cela qu'il a créé la sexualité pour un homme et une femme dans le mariage. Donc il ne faut pas oublier ça. Même si aujourd'hui la loi permet le mariage homosexuel, ça c'est l'homme, ça c'est Satan qui a voulu pervertir ça, mais Dieu au travers de cette leçon aimerait rappeler que lorsqu'il a créé le sexe au début, c'est pour un homme et une femme. Donc il y a cette pratique hétérosexuel que Dieu soutient, mais les relations homosexuelles jusqu'à aujourd'hui, même si l'homme a donné son aval, a créé même une loi pour soutenir cela, mais Dieu n'a pas changé, c'est toujours le même. Voilà. La sexualité entre un homme et une femme, tout simplement. Alors, je vous invite à lire, donc nous parlons depuis le début donc de cette sexualité au niveau du mariage, dans le sein du mariage, et Paul le dit bien, ne vous privez pas l'un l'autre, mais communiquez toujours. Et dans le Lévitique chapitre 20, du verset 6 à 21, eh bien, il y a tout ce qui n'est pas autorisé par rapport à l'homme, en tous les cas. Alors, la première chose qui n'est pas autorisée, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, eh bien, je le retrancherai du milieu de son peuple.
sanctifiez-vous et vous serez saints. Hein? Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Deuxièmement, si un homme maudit son père et sa mère, bon, ok, hein, voilà, hein, il sera maudit et puni de mort. Hein? Alors, par rapport à la sexualité, donc c'est le deuxième point, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, donc l'adultère, donc, et ils seront tous les deux donc, punis de mort. Mm. La troisième interdiction, c'est si un homme couche avec la femme de son père, donc avec sa belle-mère, eh bien, ils seront tous les deux punis de mort. Troisième interdiction, si un homme couche avec sa belle-fille, tous les deux punis de mort. Ça s'appelle une confusion. Hein. Cinquième interdiction, si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, et tout, donc c'est une chose abominable, ils seront tous les deux punis de mort. La sixième interdiction, si un homme prend pour femme la fille et la mère, donc c'est un crime, et on les brûlera au feu, afin qu'il n'y ait pas ce crime au milieu de vous. Septième interdiction, si un homme couche avec une bête, donc c'est la zoophilie, hein, donc il sera puni de mort et il faudra aussi tuer la bête. La bête qui a été... Voilà, je dis, la bête c'est une bête, quoi. Non, il faut aussi tuer la bête parce que bon, ben, la bête aussi sûrement sera pervertie. Hein. Huitième interdiction, si une femme s'approche d'une bête, donc... on tuera donc la femme et la bête aussi sera mise à mort. Neuvième interdiction, si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, hein, donc sa demi-sœur, hein, c'est une infamie et ils seront tous les deux retranchés du peuple. Hein. Dixième interdiction, si un homme couche avec une femme qui a son indisposition. Donc, même dans le couple, hein, eh bien, ils seront retranchés aussi du milieu du peuple. Alors, si un homme, onzième interdiction, si un homme couche avec sa tante, ils mourront sans enfant. Et la douzième interdiction, si un homme prend la femme de son frère, donc sa belle-sœur, c'est une impureté et ils seront sans enfant. Donc voilà les interdictions en tous les cas. En fait, presque tous les cas ont été annoncés et énoncés, sauf dans le cas du mariage. C'est une des preuves que dans le cadre du mariage, eh bien, l'acte sexuel est permis et honoré aussi. Mais en dehors du mariage, eh bien, donc voilà donc comment Dieu conçoit. Concevez et conçoit aujourd'hui l'acte sexuel. Donc aujourd'hui, on ne tue plus par adultère ou bien par infidélité, à cause d'une infidélité, mais c'est un péché. Il faut appeler un chat un chat. Oui. Comment on fait lorsqu'il y a un péché comme ça? Vous avez sûrement été confronté. À des infidélités, à des ruptures, Jean chapitre 8 peut nous donner une réponse par rapport à ça. Jean chapitre 8, verset 11. Mm-hmm. Qu'est-ce que Jean chapitre 8, verset 11? Mais nous allons le voir. Elle répondit, non Seigneur, et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Donc si tu sais que ce que tu continues à faire n'est pas bien, reprends-toi et puis va. Et ne pêche plus. Ça, c'est une réponse courte par rapport à ce qui continue à faire des choses qui sont contre nature, qui ne sont pas la volonté, qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit beaucoup, beaucoup de choses. Je me rappelle au verset 16 de Lévitique chapitre 20, ce que tu viens de lire. Lorsque j'avais lu pour la première fois, j'étais encore un enfant. Lorsque j'ai vu ça, celui qui couche avec un animal, j'ai dit, ton enfant, mais j'ai jamais entendu, j'ai jamais vu ça. Hein? Donc si c'est dans le texte, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait déjà ces pratiques-là. Et aujourd'hui, il n'y a pas longtemps de cela, j'ai vu sur les réseaux une femme qui s'est mariée avec un chien ou je ne sais pas, avec un chat, je ne sais plus, quelque chose qui se passe comme ça. Donc aujourd'hui, voilà, il y a des choses qui se passent comme ça et c'est tout simplement pour détruire cette image que Dieu a voulu, c'est-à-dire l'homme et la femme. Satan, il va tout faire sauf
de bénir, sauf de soutenir le mariage de l'homme et de la femme, il va tout faire, homme, homme, femme, femme, homme, animal, et puis homme avec d'autres choses, tout simplement pour détruire ce que Dieu a mis en place au départ. Voilà le plan du diable, c'est-à-dire détruire ce que Dieu a établi dès le départ. Qu'en penses-tu, pasteur, de cette situation ? Il faut encourager les personnes à respecter le mariage, à respecter la beauté de la sexualité. Comme on dit, c'est un don qui vient de Dieu. Donc faire n'importe quoi avec ce don-là, ça peut apporter que des problèmes. Tandis que si on l'utilise comme il le faut, comme Dieu attend qu'on l'utilise, ce sera toujours une bénédiction, autant pour l'un que pour l'autre. Surtout quand on regarde un petit peu l'idée que Dieu a voulu apporter là-dedans, d'ailleurs la partie de jeudi, c'est cette idée que les deux deviendront une seule chair. C'est lorsqu'ils deviendront une seule chair, ils pourront vivre quelque chose d'extraordinaire. Une seule chair, pas seulement le côté sexuel, mais le côté où on partage tout, on rentre dans l'intimité de l'autre, on se donne à l'autre, on s'offre à l'autre entièrement, et l'autre s'offre à moi entièrement, et on partage quelque chose de fabuleux que personne d'autre peut rentrer dedans. Ça fait rappeler un petit peu, ça nous amène à penser un petit peu à ce qui est vécu dans cette relation intime entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc il y a cette idée que nous, hommes et femmes, on ne forme qu'une seule chair. Là, on parle de Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu. Et donc, ça nous donne une petite infime partie du respect qu'on devrait avoir aussi envers Dieu. Et si on n'a pas ce respect envers le mariage et envers la relation entre l'homme et la femme dans le contexte du mariage, combien on aura moins de respect envers ce Dieu-là aussi. Et ça se verra dans notre attitude à l'Église, ou ailleurs même. Et ça se verra aussi notre vie par rapport à notre femme. Je parle parce que je suis un homme, mais si c'est une femme, c'est sa femme envers son mari. Cette attitude va montrer le degré en quelque sorte d'amour qu'on est en train de vivre avec notre Dieu personnellement. Parce qu'à la base de tout cela, c'est le véritable amour qu'on cherche. Et le véritable amour est un don de Dieu. C'est dans Romains 5, 5. Hein, j'ai bien aimé ce texte-là qu'on nous a donné. Romains 5, 5. Je ne vais pas retrouver, je vais prendre dans la Bible. Romains 5, 5, il est dit que justement, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il y a l'amour, il y a plus différents types d'amour, mais il y a cet amour qui peut affronter toute chose et qui peut nous tenir ferme jusqu'au bout. C'est un amour qui vient de Dieu par le Saint-Esprit. Et c'est ça qu'on a besoin dans la relation entre l'homme et la femme. La relation entre l'homme et la femme, c'est de rechercher une étroite collaboration avec Dieu. Et ça fait penser un petit peu, je sors un petit peu du sujet, mais ça nous rappelle peut-être, c'est le premier sujet, je crois, Adam et Ève, quand ils se sont connus, ils ont prévu de faire un enfant ensemble, ils ont fait l'enfant, et la femme va dire, j'ai fait un enfant avec l'aide, pas de Adam, mais avec l'aide de Dieu. Ça veut dire que dans tout ce qu'on fait ensemble après, on met Dieu en avant. Même dans l'acte sexuel, on respecte l'un et l'autre, on sait que Dieu nous a offert ce don-là, et on sait qu'on peut le faire d'une manière digne. Et lorsque on va préparer le terrain pour l'enfant, on décide ensemble et on prépare l'enfant aussi. On met ça entre les mains du Seigneur, surtout pour notre époque, on devrait le faire, avec tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui, pour que le Seigneur puisse préserver l'enfant qui va naître. Voilà, il faut avouer que, je disais donc, Dieu avait un objectif particulier en créant l'humanité, le sexe pour l'homme et la femme. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont devenues infidèles envers leurs époux, leurs épouses, souvent blâment le partenaire, parce qu'il est comme ça, parce qu'elle est comme ça. C'est pour cela que, c'est malgré moi, elle m'a poussé à commettre l'infidélité. À savoir que l'infidélité, ce n'est pas un accident, mais c'est un choix. Et c'est ce choix-là est revenu à la personne qui a décidé de vivre cela. Pareillement pour les pratiques aujourd'hui,
Donc la pratique que Dieu désire, c'est bien sûr entre un homme et une femme. Ceux qui ont voulu autre chose, c'est leur choix, c'est une question de choix. Mais nous savons tous que les choses qui sont contraires, qui sont contre nature, n'est pas du tout approuvé de Dieu. Donc il y a des conséquences. Est-ce que nous sommes prêts à subir ces conséquences? Alors que ce cadeau, ce don que Dieu a voulu donner, c'est pour que l'homme et la femme puissent vivre épanouis. Donc si nous respectons ce que Dieu a déjà établi dès le départ, mais nous allons connaître, on va dire, des moments très, très agréables dans la vie du couple. Mais non, si nous choisissons, hein, c'est un choix que nous faisons de vivre des choses qui sont contre nature, qui sont contre la volonté de Dieu, ben, même s'ils disent qu'ils éprouvent aussi un désir, mais ce désir, voilà, ce sera condamné un jour parce que Dieu va anéantir toutes ces choses, le diable en premier, par rapport à toutes ces pratiques qu'il a voulu faire envoyer dans le monde afin que la plupart de nos... des personnes aujourd'hui, pratiquent aujourd'hui des pratiques sexuelles qui sont contre la volonté de Dieu. Alors, nous avons vu des pratiques illicites, en tous les cas, par rapport à la sexualité. Est-ce que aujourd'hui, à la date où nous sommes, où les mœurs ont beaucoup évolué, même, désolé de le dire, hein, les mœurs se sont dépravées, hein, par rapport, en tous les cas, à l'éthique chrétienne, par rapport à la morale de la Bible, hein, originelle, en tous les cas, avec Adam et Ève et Dieu, est-ce que aujourd'hui des personnes sont venues vous voir pour être aidées par rapport à la pornographie, par rapport à l'infidélité, par rapport à ces pratiques illicites que nous avons lues tantôt? Est-ce qu'il y en a qui sont venus vous voir? Et qu'est-ce que vous avez mis en place? Est-ce que vous avez dit, hop, c'est pas de mon domaine, allez voir les psychologues, allez voir voilà. Est-ce qu'il y en a eu? Et quel dispositif, quelle aide vous avez pu apporter, sous quelle forme? Voilà. Pour ma part, j'ai eu quelques personnes qui sont venues me voir pour demander de l'aide. Bon, on n'est pas des professionnels, dont, hein, mais avec ce que l'on a pu étudier, ce qu'on a pu comprendre par rapport au comportement sexuel, par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, il est vrai qu'aujourd'hui, dans cette société encourage justement ces pratiques qui sont contre, que Dieu n'approuve pas. Donc, dans un premier temps, ce qu'on donne comme conseil à ces personnes-là, c'est bien sûr la question qu'on se pose, est-ce qu'ils regardent la pornographie tous les jours? Sur 98% des cas, effectivement, c'est cela. Ils se nourrissent de ces images pornographiques, et ça nourrit leur imagination, et cette imagination leur pousse à passer à l'acte. Donc déjà dans un premier temps, il faut comment dire, se débarrasser de cette addiction, de cette pornographie visuelle. Donc c'est déjà un premier temps. Et bien sûr, avec cette relation que nous pouvons avoir avec Dieu, c'est-à-dire demander à Dieu de pouvoir nous aider à nous battre, comme l'addiction de l'alcool, de la drogue, là aussi la pornographie, la sexualité peut aussi être une addiction pour une personne. Et si on ne se soigne pas par rapport à cette addiction, elle nous entraîne à des choses vraiment où on sera abandonné dans ce problème, et puis on risque de finir malheureusement mauvaisement par rapport à tout cela. Cette addiction, ce problème, c'est un réel problème. Peut-être qu'on n'en parle pas beaucoup, mais ce problème d'addiction existe malheureusement aujourd'hui dans notre société. Ok. Pasteur Payet? Oui, il y a eu quelques cas, même ici. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des personnes quand même qui prennent le choix de venir nous voir quand même et d'en parler. Oui. Déjà, c'est un grand pas de pouvoir venir et dire, ben, pasteur, j'ai un problème avec la pornographie, ou bien j'ai un problème parce que j'ai du mal à rester avec une seule femme, et ma femme peut-être ne sait pas aussi, etc. etc. Donc la première chose, c'est de faire prendre conscience que, ben, surtout si la personne croit en Dieu, de le recadrer sa vie, lui donner quelques conseils, comme a dit le pasteur. Il faut, on n'est pas des spécialistes, c'est vrai, mais on a quand même beaucoup de conseils dans la Bible où on peut donner quelques lignes directrices
pour aider la personne. Après, si on voit que c'est, ça crée des problèmes dans le couple, on essaie de parler avec le couple aussi. Et si vraiment ça va trop loin, ben, y a aussi, on peut les diriger vers des personnes qui sont des spécialistes là-dedans aussi. Il ne faut pas se prendre pour celui qui connaît, voilà, des, qui connaît tout et qui peut faire tout. Pardon, on n'est pas Dieu. Voilà. Superman, il vaut rien. Donc, apprenons aussi à être sage et prier avec la personne pour savoir qu'est-ce que Dieu aussi nous inspire pour aider cette personne. Mais c'est extraordinaire de voir des personnes qui osent dire, et même, il y avait un qui a osé parler avec leur femme, parce que ça commençait à créer des problèmes dans leur couple, et il a avoué, et la femme a dit, mais il faut aller voir le pasteur. On essaie de trouver une solution tant bien que mal, et l'idéal, c'est de pouvoir discuter ensemble, parler, passer du temps, l'accompagner, et si ça ne s'améliore pas, ben, de diriger vers quelqu'un qui est plus... qui est spécialiste là-dedans. Ok, d'accord. Il nous reste un petit peu de temps pour conclure. Alors, vous aviez tenté un petit peu avant de faire un parallèle entre vous serez une seule chair, 1 plus 1 égale 1, voilà, une seule chair, donc la Trinité, modèle de la Trinité, donc un une petite approche de cette compréhension de la Trinité et de ce lien entre l'Église et Dieu. Alors, mieux on est préparé à vivre à deux, mieux on comprendra la Trinité et mieux on comprendra ce lien d'amour qui lie Dieu et son Église. Quels conseils donnerez-vous à nos jeunes mariés, à nos vieux mariés, que nous sommes certains, pour justement être un vraiment dans nos discussions, dans nos projets, dans notre camaraderie. Même après 40 ans, il faut qu'il y ait de la camaraderie. Quels conseils donnerez-vous à ces couples-là pour leur montrer que c'est le modèle que Dieu a donné pour pouvoir justement essayer de comprendre cette Trinité, cet amour qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, l'amour qu'il y a entre le Père et son Église. Merci pour cette question. Alors, l'élément de réponse que je peux apporter, pour moi, c'est la seule et l'unique réponse, quoique il y ait encore d'autres, mais pour moi, c'est la plus bonne réponse, la plus grande réponse qu'on peut donner. Alors, il y a quelques années de cela, je participais à une campagne d'évangélisation en Nouvelle-Zélande. C'était un pasteur américain qui faisait la campagne. Et puis un soir, avant de prendre le message, il voulait offrir des bouquets, des bouquets de fleurs au couple. Et il a commencé. Alors, pour ceux qui sont mariés, ça fait 5 ans. Alors, il y avait des personnes, des couples qui sont manifestés. On leur a offert des bouquets, des chocolats, des petits cadeaux comme ça. Et finalement, en dernier, il y avait le plus couple âgé. Il avait peut-être 70 ans de vie commune. Voilà. Le pasteur était... il y avait un seul couple ce soir-là. Et le pasteur a dit, est-ce que je peux poser une question par rapport pendant les 70 années de vie commune, comment vous avez fait pour tenir tout ce temps-là? Et puis ils se regardaient, l'homme et la femme, qui étaient bien sûr âgés, plus de 80 ans à l'époque, ils disaient, il n'y a pas trop de secret, il y a un seul secret. Allez, vas-y, dites-nous ce secret. Ce secret, c'est en un seul mot, c'est Dieu. Point. Vas-y, explique-toi. C'est tout simple. Notre vie à deux, enfin, c'est pas vraiment à deux, c'est à trois. À trois. Nous deux et avec notre Dieu. À chaque décision, à chaque fois, on demande toujours l'avis de Dieu. Et voilà. Aujourd'hui, nous sommes toujours le couple le plus amoureux grâce à Dieu. On remercie Dieu pour cela. Et donc, c'est peut-être le conseil que je vais donner à ceux qui nous écoutent en ce moment. Notre travail en tant que mari, en tant que femme, c'est de pouvoir toujours être unis à Christ pour pouvoir justement faire durer notre vie de couple. Ce n'est pas un travail facile parce que le diable il est là pour nous pour essayer de nous tirer notre femme, tirer notre mari. Et là nous devons nous battre
avec bien sûr Dieu à nos côtés pour nous aider à tenir bon jusqu'à la fin. Voilà. Enfin, jusqu'à ce que la mort nous sépare de selon, selon les propos de la Bible. Voilà. Ouais. Il y a même qui arrive, même après la mort, il continue toujours. Il ne peut pas oublier ces personnes que nous avons, qui sont parties plus tôt que prévu. Voilà la réponse que je peux donner par rapport à ta question. Voilà, c'est pas encore le mot de la fin. Hein? Oui. Voilà. Quel conseil donnerais-tu? Je prendrais conseil de Paul. Ça rejoint un petit peu ce que Pasteur a dit, bien sûr, et qui dit ceci dans Éphésiens chapitre 5, verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela pas par rapport à Christ et à l'Église. En quelque sorte, il est en train de mettre en avant le fait qu'il y a un lien en réalité dans ce qu'on vit dans le couple par rapport à Christ et à l'Église. En quelque sorte, si on veut vraiment que l'Église soit unie d'une manière extraordinaire, on puisse comprendre ce lien qu'il y a entre Christ et l'Église, il faut déjà que l'Église soit unie. Parce que là, on parle d'une seule Église, Église unie. Et l'Église, c'est qui? C'est le papa, la maman et les enfants, parce qu'il va parler des enfants au chapitre 6. En quelque sorte, c'est plusieurs foyers qui se réunissent pour pouvoir être un ensemble et pouvoir découvrir l'amour de Christ. En quelque sorte, le grand conseil qu'il donne en quelque sorte ici, c'est Marie, apprenez à aimer vos femmes. C'est le plus grand conseil qu'il puisse donner. Ça rejoint un petit peu à ce qu'il a dit, là, avec tant d'années de vie commune, c'est Dieu qui doit être à la base. Tu veux comprendre Dieu, tu veux que l'Église soit unie, apprends à aimer ta femme en premier. Et femme, apprends à aimer aussi ton mari, à respecter ton mari. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Il va répéter cela deux fois dans ce chapitre 5, verset 22 et jusqu'au verset 33. Et dans Éphésiens, il est en train de dire le conseil, vous voulez avoir une église unie, vous voulez comprendre une petite parcelle de la divinité, vous voulez comprendre le lien qui lie Dieu, le Fils et l'Église, apprenez à aimer votre femme. Et femme, apprenez à respecter votre mari, à aimer votre mari. Et à partir de là, quand les deux seront une seule chair vraiment, ils pourront avoir cette sensation que, l'Église, voilà la véritable Église, voilà le véritable amour que je dois ressentir, que je peux repartager aussi autour de moi. Ok, merci. Le temps file. Oui. Est-ce que tu as un mot de la fin? Le mot de la fin, pasteur. Le mot de la fin, peut-être que je vais le lire dans ce bien quelque chose peut-être qu'on a loupé. Hein? Voilà, donc c'est un autre conseil qui dit ceci. Ne te lance pas à corps perdu dans des relations sexuelles sans être assuré auparavant que le cadre dans lequel tu les vivras est sécurisant et stable. Alors donne la priorité à l'amour authentique entre mari et sa femme, entre ton conjoint et toi. Ensuite, seulement laisse s'éveiller l'excitation sexuelle jusqu'à l'extase. C'est là le secret du plaisir et de la satisfaction dans l'amour. Donc ce qui est important, bien sûr, dans cette relation, bien sûr, il y a un homme et une femme, mais aussi il y a Dieu dans cette unité. Donc si nous respectons le plan de Dieu, il n'y a pas de raison que les choses tournent mal. Lorsque Dieu est au sein de ce couple-là, c'est lui le ciment. Rien ne pourra détacher cette union-là. C'est à nous, c'est notre choix. Est-ce que nous voulons vivre tout seul notre amour, tout en sachant que nous sommes mariés sans notre femme, tout seul? Bien sûr, si nous continuons dans ce chemin-là, c'est sûr que c'est la séparation qui nous attend au tournant. Mais si nous décidons de vivre cet amour avec cette femme que nous aimons toujours, et aussi avec ce mari, et en plus avec notre Dieu, les choses vont aller comme il faut. Ne vous en faites pas. Tant que vous aurez toujours les trois éléments, vous, votre femme et Dieu, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Amen. Amen. Pasteur Payet. Je dirais qu'il faudrait apprendre à aimer pas seulement en pensée, mais en vérité aussi. Comme nous présente ici Cantique des Cantiques, on ne s'arrête pas seulement à dire, on est marié, tu sais que je t'aime. Donc, point final, non. C'est quelque chose qu'il faut. C'est quelque chose qui doit se vivre tous les jours.
et cela jusqu'à, ben, jusqu'à la fin. Quand on a commencé à dire « je t'aime », on trouve beaucoup de choses à dire avant le mariage, et après le mariage, on dirait qu'on devient muet. On trouve beaucoup de cadeaux à offrir avant le mariage, après le mariage, on devient radin. Il y a beaucoup de choses comme cela, malheureusement, qui changent, alors qu'on devrait encore plus agrandir notre jardin, prendre soin de notre jardin, l'unique jardin qu'on a, et cela jusqu'à la fin. C'est que Salomon, on croit que c'est Salomon, hein. Salomon, il a eu 1000 jardins, lui. Tout à fait. Et en fin de compte, on croit que cette Sulamite-là... l'a marqué vraiment, particulièrement. Non, c'est celle qui n'a pas eu vraiment réalité. Parce que c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans un Ecclésias chapitre 7, verset 28 et 29. Il dit « Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé ». Donc, il n'a pas trouvé vraiment. C'est du fond. Bon, il est inspiré pour écrire cela, mais j'ai trouvé un homme entre mille. S'il fallait choisir quelqu'un pour aller à la bataille, il pouvait compter sur facilement, il trouvait facilement, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Il a mille, hein, quand même. Osez dire que sur les mille, il n'y a aucune qui est bien. Et c'est là qu'il va dire la vérité, ce qu'il a trouvé comme sagesse. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Quand on a une femme, il faut apprendre à aimer cette seule femme. S'il n'avait pas couru derrière mille, il s'était concentré sur la première, ça aurait été impeccable. C'est ça qui fait comprendre. Et aujourd'hui, avec Cantique des Cantiques, qui fait comprendre, voilà. Ayez votre Sulamite, cherchez pas votre personne, jusqu'à la fin. Merci, peut-être j'aimerais terminer par ce texte-là, surtout pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui en ce moment vivent des choses, on va dire, pas correctes devant Dieu. On va dire, j'aimerais dire qu'il n'est pas encore trop tard. D'ailleurs, ce texte de Isaïe, chapitre 55, verset 7, nous dit ceci, « Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. » Donc, même si vous vivez des situations, on va dire, incorrectes, que Dieu ne soutient pas, il n'est pas encore trop tard. Il est peut-être temps de revenir à l'Éternel, car Dieu ne se lasse pas de pardonner. Et ce qui est bien de faire, c'est de faire la volonté de Dieu. Lorsque tu dors, tu sais que ta situation, ce que tu fais en ce moment, c'est quelque chose approuvé par Dieu. Et lorsque tu sais que tu vis une situation où Dieu n'approuve pas, je ne sais pas pour vous, mais je ne sais pas comment vous faites pour dormir. Voilà. Donc, votre conscience doit vous parler, vous dire que ce n'est pas bien ce que tu fais. Retourne, si, par exemple, tu as quitté ta femme, retourne vers ta femme, et puis voilà. Et pour les maris qui sont toujours avec eux et qui aiment leur femme, ben, lorsque vous rentrez chez soi, et puis voilà, faites un geste à votre femme, peut-être un bisou, et puis lui dire « Je t'aime, tu m'as manqué tout au long de cette journée. » Voilà, comme ça va les rendre heureuses au moins pour ce soir. Tout à fait. Voilà. Vise à ça. Et réciproquement. Merci beaucoup. À bon entendeur. Eh bien, chers amis, notre temps, en tous les cas, est parti, est écoulé. Et je voudrais vraiment remercier nos deux pasteurs qui ont partagé ce sujet, qui parfois, donc, dans le Cantique des Cantiques, on va le prendre à tort et à travers, hein, à notre avantage, bien sûr, et justement cet amour pour notre conjoint, pour nos enfants, pour nos amis, est-ce qu'il cherche à dominer, est-ce qu'il cherche à servir l'autre, ou bien à le servir, à l'honorer, à libérer l'autre, hein? Et quelle est ma motivation dans l'obéissance aux lois de Dieu? Comment puis-je vivre l'amour gratuit de Dieu et en Dieu? Eh bien, c'est tout le challenge que nous vous lançons, pour que vous puissiez bien réellement vivre cet amour voulu par Dieu, prévu par Dieu, dans votre couple, avec Dieu, avec la communauté ecclésiale avec laquelle vous adorez, et avec Christ. Eh bien, chers amis, nous vous souhaitons donc de passer une belle semaine autour de cette belle leçon, la sixième donc, ce chant,
donc ce merveilleux chant royal. Hein. Et je voudrais donc remercier à nouveau nos deux pasteurs. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous appeler au 49 45 59 60. Quelle que soit la question que vous voulez poser, nous dirigerons vers nos pasteurs. Et posez-les aussi sur YouTube et sur Facebook. Eh bien, c'est avec la prière de notre pasteur Mathieu que nous allons terminer. Et prions. Notre Père Céleste, remercions pour ce moment où tu nous rappelles que tu es un Dieu d'amour, un Dieu qui voudrait que nous aussi, en tant que créatures, nous puissions partager notre amour. Et lorsque nous sommes dans le mariage, que nous puissions apprendre à nous donner à l'autre, afin de pouvoir mettre en avant l'autre, mais pas le moi. Je voudrais te prier d'une manière particulière pour toutes les autres personnes aussi qui pensent au mariage ou qui sont dans une situation particulière, que tu puisses tendre toujours ta main, qui est toujours là, prêt à secourir, prêt à aider, prêt à diriger, que tu puisses, par ton Saint-Esprit, les accompagner, afin que tout puisse aller dans le sens de ta volonté et selon ta parole. Sois avec chacun de nous, chaque auditeur, chaque personne qui te recherche dans leur vie. Aide-nous toujours à rechercher le meilleur, l'idéal, afin de pouvoir nous préparer aussi à cette rencontre extraordinaire qui aura lieu bientôt lorsque ton Fils apparaîtra sur les nuées des cieux, où il se présentera comme un époux qui s'est préparé pour son épouse. Bénis chacun de nous pendant le reste de cet après-midi au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. 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 Vous pouvez retrouver toutes nos émissions en version podcast sur lvdl.pf. In hinhe o to if ar of a hoi tata tu mo fan hor a in ai hoi tata tu tahua na tirara lvdl.pf.